Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, présentation du très attendu Top Gun Maverick, ici dans son édition Fnac. Donc deux éditions sont disponibles, l'édition Fnac plus une édition standard que vous trouverez un peu partout. Après, je crois qu'au mois de décembre, il y a encore un gros coffret qui arrive avec deux steelbooks, un pour Top Gun 1 et un pour Top Gun 2 dans un gros coffret collector, mais qui coûte assez cher. Et je crois qu'il y a un metal pack qui sort également, boîte métal avec un bracelet. Enfin, je pense que des éditions de Top Gun, on va en avoir un paquet. Donc voici déjà la présentation de l'édition Fnac en édition spéciale avec la version 4K Ultra HD et Blu-ray, donc dans une version steelbook. Et j'ai l'impression qu'il y a un holographique dessus, donc on va regarder ça juste après. Je vais faire un petit tour au niveau des spécificités audio. Donc sur le disque 1 en version 4K Ultra HD, on a droit à de l'anglais et du français en Dolby Atmos. Donc ça c'est bien, ça va bien péter. Sur le disque 2, on a droit à de l'anglais en Dolby Atmos. Par contre c'est du français, espagnol, portugais en 5.1 Dolby Digital. Donc c'est déjà pas mal. Au niveau des bonus, pas mal de choses. Bon, je laisse regarder, il y a un gros paquet de bonus. Donc ça fallait s'y attendre sur cette édition. Allez, je déballe le steelbook. Voilà, c'est déballé. Alors, je vais enlever le fourreau. Alors, fourreau qui est fixé avec des points de colle, donc ça, c'est un peu pénible. Voilà, c'est enlevé. Donc ici, alors on a un holographique là devant la face avant du steelbook. Je ne sais pas si vous verrez bien. Alors, c'est difficile de bien rendre en vidéo, mais bon, ça bouge un petit peu. Donc ouais, c'est aimanté. Donc voilà, vous avez ça qui est fixé sur la face avant. C'est vraiment très sympa, je trouve. Moi j'aime bien. C'est bon, c'est un petit plus. Après, tout le monde n'aime pas, mais en tout cas, je trouve ça bien sympa. Donc, je mets sur le côté. Alors, le visuel de la face avant du steelbook. Alors, déjà, il est de finition glossy. Moi, je le trouve vraiment très très chouette, très réussi. Alors, j'ai pas encore eu l'autre dans les mains, mais dans les visuels que j'ai pu voir, alors beaucoup aiment le deuxième. Moi, j'aimais beaucoup le deuxième, mais finalement, celui-là, pour l'instant, je préfère encore celui-là pour l'instant. Donc vraiment très très chouette. Après de toute façon sur Top Gun Maverick, il y avait vraiment plein de possibilités pour au niveau du visuel. Donc titre sur la face avant, le nom de Tom Cruise. Donc, finition glossy, vraiment très très chouette. Ouais, moi j'aime beaucoup. Sur la tranche, vous avez le titre. Alors qui est marrant, qui est un peu décalé sur la gauche, avec le logo Paramount en haut. Et au dos, ben ça, cette photo, hein, je pense qu'on l'a vu un paquet de fois. Alors, il y a des petites pointes de colle, ça je nettoierai après. Donc toujours finition glossy. Bon, voilà, le visuel est sympa. Alors après, il n'y a pas d'effet d'embossage, de débossage. Mais bon, voilà, il est glossy, il est efficace. Moi, j'aime bien. Voilà, vraiment sympa. Alors, c'est un Paramount. Est-ce qu'on va avoir des sérigraphies sur les disques? Attention, surprise. Eh ben non, pas de sérigraphie sur les disques, hein, comme à leur habitude chez Paramount, donc ça c'est vraiment dommage. Donc ici, on a droit à la version 4K Ultra HD. Sur celui-ci, c'est la version Blu-ray. Et à l'intérieur, donc on retrouve également une fameuse séquence qu'on pouvait voir, qu'on a pu voir un paquet de fois également dans des affiches promo. Et quand je vous montre le steelbook à plat, vraiment très 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 chouette. Ouais, très réussi ce steelbook, moi j'aime vraiment beaucoup. Alors, je dis très réussi, hein. Je suis peut-être. J'adore le film, hein. Donc j'ai adoré le film. Donc forcément, je suis peut-être pas très objectif, mais en tout cas, voilà, il est glossy, il est propre, les visuels choisis sont vraiment bons. Voilà, il fallait pas chercher non plus midi à 14h. Dommage pour essayer graphie sur les disques, mais bon, soit. Et puis il y a ce petit magnet comme ça holographique qui est fixé devant, qui est quand même bien sympa. Donc voilà pour la présentation du steelbook Fnac de Top Gun Maverick. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez commandé ce steelbook? Est-ce que vous allez acheter ce film? Quelle édition vous allez prendre? Dites-le moi dans les commentaires. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation. Puis on va se retrouver très très vite là. Je pense que les vidéos vont encore s'enchaîner. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.